les gens, bon, on se retrouve pour le round 2 pour la vidéo sur The Crew 2. Bon, alors j'ai fait un petit tour sur le pour regarder un peu ce que j'avais déjà fait. Je suis déjà en platine, comme vous le voyez, je suis déjà en platine et pourtant j'ai fait que 4 tours vidéo, que 4 que 4 courses. Donc clairement, je redescends, ça c'est impérative. Donc voilà. Donc on va finir les trois courses comme on l'avait dit donc tout à l'heure à 17h30. Cette vidéo normalement sortira pour 20h, 20h30, un truc comme ça. Donc un peu d'affilée, mais au moins vous aurez deux vidéos d'affilée sans avoir une suite correcte. Donc voilà. Et on regardera, on fera à la fin une personnalisation de voiture parce qu'on s'était dit, je m'avais dit de faire une personnalisation de voiture à chaque fin de vidéo. Et bien sûr, on regardera si on peut acheter une voiture, mais bon, avec le prix que j'ai, je pense que c'est Collé. donc, on va faire le rallycross, le tout premier, et on finira par la grosse étiquette. Comme ça sera bien. Donc, on avait fait donc. Tout à l'heure, nous avions fait. On va prendre le Mercedes. Les trois premières courses. Donc, la fuite, le radar et le slalom en. Bah, le slalom. C'était pas vraiment du slalom, c'était plus comment? Du passe de cercle au niveau en avion. Oula. Donc voilà, plus une vidéo, plus une petite course en mode gros tourin, grand en changement de voiture. Donc le prix alpha, comme je les appelle. T'es obligé de me remettre là-haut. Force, tu vomis à force. Je suis paumé là. Je suis parti je ne sais où. Ouais, poteau. Alors heureusement qu'il n'était pas solide celui-là. Passer à travers les arbres. Alors ça j'aime pas parce que là le truc c'est que là c'est des longues distances où t'as des dunes et t'arrives complètement à pas gérer ton véhicule. Et ça c'est chiant parce que là par exemple, tiens, voilà, on arrive dans les arbres. Alors bon, j'ai un minimum d'expérience et heureusement. Quand t'arrives vers des arbres, t'essaies de les éviter. Parce qu'il y en a, ils se plient, mais il y en a, ils se plient pas. Alors, par exemple, les gros sapins, voilà, bah tiens, comme là, c'est toi qui plies, c'est pas moi, c'est pas eux. Ah oh, putain. Putain, quelle idée de nous faire passer à travers des arbres. Ben, c'est une course du con, hein. La logique du jeu. Et demain, petite vidéo sur Gold War. Donc, je crois bien que je l'ai pas dit en sur la. Je l'ai pas dit sur la vidéo de 17h. Donc au moins vous êtes au courant. Peut-être en solo, peut-être en duo, je sais pas. Je regarde même pas le temps.
Je devrais regarder les classements à peu près où. Parce que clairement, quand tu arrives à faire un record comme ça. Je sais même pas combien c'est vraiment le record pour avoir un bon truc en fait, pour être dans les platines. J'ai jamais vraiment été platine en fait. Donc encore du tout au terrain. On change pas la catégorie cette fois-ci. Ouais, d'accord. Ouais, mais on va où là? Dans les canyons. Franchement, alors, je peux dire que bon, il y a des dunes, les machins, les bidules, les trucs. Mais franchement, j'ai envie de dire au niveau paysage. Même que ça soit dans des canyons, que ça soit dans des cours d'eau, dans des trucs comme ça. Franchement, les paysages sur ça, je peux pas cracher dessus qu'ils sont magnifiques. Que ça soit en bateau, en hors-bord, en monster truck, en clairement. Bon, t'arrêtes tes conneries. L'autre, il a pu me rattraper. Allez hop. J'ai horreur des petits passages comme ça, tu sais, j'arrive pas à gérer le. Il y a certains. Voilà, par exemple. Dès que tu frôles un mur ou un truc comme ça, c'est fini, quoi. C'est ça le plus chiant. Ça, c'est comme les courses en ville. Quand vous avez des bords, tu frôles le bord. Puis t'as des bords qui font 20 cm de plus. Et puis tu t'arrêtes automatiquement dans le mur. Tu vois tout le monde passer à côté de toi. Tu te dis bon, ok. J'espère que vous avez pas mangé avant la vidéo. Parce que vous allez vomir. J'espère que ça lag pas trop. Je sais que. Qu'il y en a beaucoup qui en ce moment qui me disent que ça lag ou quoi. Pourtant, je regarde le logiciel et ça bug pas non plus comme je le voudrais. Bah, que ça devrait pas bugger en fait. Donc. Voilà. Trois vingt-sept. Voilà, par contre, je voudrais voir le temps qu'il a fait. 2:43. Ouais, j'aurais pas pris le mur. J'aurais fait pareil. Peut-être un peu plus, mais j'aurais pas fait des loopings dans le mur. J'aurais peut-être pu réussir un minimum un peu plus. Mais le truc, c'est que si on recommence, la plupart du temps, on fait de la merde. Donc ça sert à rien. Vaut mieux le faire une fois, voire plus tard recommencer, mais jamais recommencer dès que vous le faites, parce que sinon, c'est pas possible.
Donc, dernière course. Bien sûr, on prendra une voiture. Alors, si j'ai assez, bien sûr, parce que si je peux pas, je pourrais pas. Et on regardera si je peux personnaliser une voiture. Ouais, on va prendre celle-là. Hein. Spécial moto. Ah, super. Alors, le gars qui est bien habillé, machin. Eh les gars, vous êtes pas en costard, vous? Oh, peine pas comme ça là, mon pote, hein, parce que. C'est quoi ça? D'accord, ok, bah merci. La logique du jeu. En fait, dès que je mets un coup de boost, et le truc c'est que vu que ces motos-là ne sont pas des motocross, hein, c'est des motos tout-terrain, normalement. En fait, dès que je saute, en fait, Oh non, mais attends, là, comment ça se fait que. Oh non, mais c'est ingérable, c'est ingérable en moto comme ça. Pourquoi ils ont fait ça? Oh, et puis oui, non, mais. Oh, c'est ingérable, c'est ingérable. Faut dire que là, par exemple, là, j'ai essayé de tourner, mais le truc c'est que vu que le Gugus se met à berficler là, alors attendez, on va recommencer parce que là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Là, moi je ne comprends pas pourquoi ils font des trucs comme ça. C'est des trucs de rallycross. Je sais pas, il devrait savoir un minimum dans le jeu qu'il y ait des changements encore au niveau des certaines voitures. Je veux bien comprendre, mais des motocross et des trucs de rallycross, c'est clairement différent. Les motos sont complètement différentes. Elles sont pas gérables comme d'habitude, pas comme une motocross où t'envoies du steak et puis t'arrives à gérer. Putain, mais pourquoi elle part en go... Ah, ça c'est chiant. Je suis obligé de désaccélérer quand je suis dans les montées parce que sinon je perds de la vitesse. Je passe pas à travers les points, mais apparemment ça compte. Alors, franchement, moi je vous la conseille pas la course, hein. Clairement, si clairement le temps sera beaucoup meilleur que le mien, certes, peut-être, mais c'est ingérable, c'est complètement ingérable. En fait, je devrais même pas essayer d'aller à gauche et à droite. Parce que le truc, c'est que la moto, quand t'es en l'air, elle part à gauche et à droite. Alors. Pourquoi? Je sais pas, mais elle y va. Putain, j'ai horreur de ces motos-là et ils sont obligés de te faire des trucs à la con.
Pourtant, j'ai l'habitude de conduire des vraies motos, hein. Alors là. Là, c'est ingérable, hein. Ça, sur du terrain comme ça, une moto comme ça. Là, faut que je voie le temps. Hein. Ah bah oui, non mais. Je vais voir le classement là. 1 minute 53. Ah, je préfère rien dire parce que moi ça m'énerve ces trucs-là. En regardant des classements comme ça, tu te dis le gars, soit il a triché ou quoi, mais. Le truc c'est que. Alors, soit la i8 Raptor machin, ou soit la Tour K. Alors, on va voir la SR. Ça sera peut-être déjà moins cher. Ça sera déjà peut-être moins cher. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue ce soir, pour le soir, mais au moins, voilà, ça sera en double partie, ça sera beaucoup mieux. J'espère qu'il fait beau chez vous parce que moi, c'est pas le cas. Moi, il pleut comme vache qui pisse. Ok, c'est une BM et j'ai assez. J'ai assez. Ben, on va la prendre. On va la prendre. On va la prendre noire. Avec j'ai pas aussi. Bon. Va falloir que je fasse des courses, hein. Parce que pour la semaine prochaine, ça va être un peu coton. Puis on personnalisera la i8, donc la BM, hein, en espérant que Speed Race. Speed Race. Allez, c'est parti. Donc on aura fait une nouvelle voiture, on aura acheté une nouvelle voiture. Alors j'essaie d'acheter un minimum quand même les voitures quand je suis avec vous, parce que voilà, c'est quand même intéressant. On voit des belles voitures. Bon, il y a certaines voitures, ça sert à rien de les regarder, elles sont tellement moches. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains véhicules qui valent le coup d'œil. En plus, c'est une décapotable. Ah, ça va, ils ont enlevé la neige. Oh non, c'est un truc tour car là. C'est sa reprise là que j'ai entendu là. Bon, il a un bon bruit la voiture en tout cas, si vous l'entendez pas vous. Alors, par contre, bloqué à une certaine vitesse. Ça va, elle a l'air pas longue la route, quand même, la course, parce que je vois que ça défile quand même assez vite là, 24, 23, 25. Alors par contre, elle est. Je l'apprécie bien, la voiture, même si c'est une BM. Parce que je suis pourtant pas fan des BM, mais clairement là, elle a une bonne reprise. Alors bon, c'est vrai qu'elle n'est pas améliorée. Donc je peux pas trop vous dire. Mais elle a déjà un bon passage de vitesse. Elle a un peu trop en tendant, bien sûr. Mais c'est une automatique, donc. Ouais, c'est une automatique, ça, les i8. Je sais même pas.
Pour ceux qui sont un peu calés dans la communauté du dragon, dites-moi un peu pour ceux qui se connaissent, qui connaissent un peu en voiture. Alors je sais qu'il y en a qui s'y connaissent, hein, mais je pourrais clairement demander à mon frère. Mais pour ceux et celles qui réagiront avant, dites-moi si pour ceux qui regarderont. Si la i8 c'est une automatique ou une manuelle. Mais je pense que c'est une automatique, hein, ça doit pas être une manuelle. Parce que vu les passements de rapport, je pense que c'est manuel. Sympa en plus. C'est pas tr... Elle est pas très rapide, donc on peut voir un minimum les paysages. Bon, moi je vois qu'à la vidéo ça lague un peu. J'espère que ça lague pas trop de votre côté. Alors par contre, quand on me demande de faire des montages, alors je veux bien que je fasse des montages. Je veux bien faire des montages, mais le truc c'est que les montages, faut que ça vale le coup. Si je vous fais un jeu et puis que bah, il se déroule rien, je vais pas vous faire un montage. Là, par exemple, c'est des jeux de voiture. C'est un jeu de voiture. The Crew, je vais pas vous faire un montage. Je vais peut-être faire deux trois petits trucs à droite à gauche, mais je ferai pas des montages en long et en large comme certains youtubeurs. Ont plus l'habitude comme dirait l'autre, quand on fait des montages, c'est quand vous avez une bonne communauté qui regarde vos vidéos, parce que clairement le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, je pense que on pourrait faire mieux. Par exemple Fortnite qui est sorti mardi, bah, pour le moment il n'y a personne qui a regardé. Au moment que je tourne la vidéo, personne n'a regardé, mais elle est pas mal. Bon, un peu cassée, mais elle est pas mal. Un peu cassée, mais elle est pas mal. Bon, bah voilà. Bon, 1, 2, 3. Voilà, il m'en resterait juste un à faire. Comme ça me ferait 100 points de plus, mais j'ai pas assez. Là, je pense que j'ai même pas assez pour payer la. On va regarder le touring car, mais. Ça met un peu de temps quand même, hein, chargé. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ce qu'ils ont en ce moment, The Crew. Ah ouais, non. Bah, je savais déjà le prix. Je savais déjà le prix. Alors, je pourrais faire clairement des courses. Je sais qu'il y a une course qui remporte pas mal. Mais. Non. Je pourrais pas. Tiens, j'ai gagné des étoiles en plus. Je pourrais pas faire. Je pourrais pas faire ce que je veux en fait au niveau de ça, c'est chiant. Voilà. 2. Être encore plus riche. Dommage qu'on puisse pas enlever les pièces grises. Bon, c'est les pièces d'origine, mais
ça va. Heureusement que je garde des pièces en fait. Certaines bagnoles, je garde pas mal de pièces, mais alors conf. Voyons voir un peu si on peut la personnaliser. Donc on arrive sur la fin de la vidéo. Donc moteur, action. Ok. Je vais regretter ce que je vais faire là. Ok. Les jantes, on va pas les toucher. Voilà. Le rétro. Voilà. Ah ouais, on va fermer le cockpit parce que là. Ok. Ah mais oui, oh bah oui, c'est une automatique, oui. Alors, on va mettre en blanc avec un style rétro. Le manteau. Pourquoi on voit pas? Et le pommeau. C'est même pas le pommeau. Et bah voilà. Belle voiture. Une voiture qu'on vient d'acheter, on a déjà une bête de course. Ah, attendez, je vais juste retourner en ville pour aller vous faire un petit tour en voiture et puis on se quittera là-dessus. Alors, attendez. Est-ce que tu peux me déposer? Est-ce que tu peux me déposer ici, mon pote? Pourquoi? Ah oui. Alors, je veux pas faire la course, c'est juste pour. Ah mais attendez. Oui, j'ai fait une connerie. C'est flèche. Non, c'est pas flèche de gauche. Ah, voilà. Ouais, c'est bien une automatique. C'est bien une automatique. Alors, c'est dommage qu'on voie pas les passages. Ah, si! Il fait avec ses mains. Si, si. Et plus sur The Crew aussi. Bah moi je la trouve plutôt pas mal. Franchement, ça pourrait peut-être être ma future voiture que je pourrais conduire un peu tout le temps parce que franchement, elle tient bien la route. Elle tient bien la route. On voit bien l'intérieur en plus de ça. Niveau extérieur, moi je la trouve plutôt cool, franchement. Franchement, vue intérieure, elle est classe. Alors par contre, désolé pour la caméra, elle est un peu solitaire au niveau de ça. On a un bon machin, franchement. Ouais, franchement, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Donc ouais, bah tout compte faire, ouais. Boîte de vitesse, non, c'est une autre manuelle, donc ouais, j'avais bien raison. Donc voilà. Bah merci encore pour ceux qui regarderont la deuxième partie. Et bah voilà, vous avez en plus de ça une voiture en plus. J'ai une voiture en plus, ça me fait plaisir, parce que clairement, au moins celle-là, elle tient bien la route.
Donc voilà. Merci encore, passez une bonne soirée et on se dit à la prochaine les gens. C'était Drag Survie. Peace.